Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une map blind test, il va y avoir des musiques faites en commande bloc et il va falloir que je devine quelles sont ces musiques. La map a été créée par Mister, oh y a pas le nom, elle a été créée par Monsieur Matt et il m'a donné un lien Mediafire, donc vous savez ce que ça veut dire les amis, aux 5000 pouces bleus, je vous donne la map dans les commentaires. Allez sur ce, c'est parti. Transition cochon. Allez du coup, zou, c'est parti, jouer. Ok, donc là, normalement il faut rester en gamme d'aventure, mais je préfère voilà, survoler un petit peu la map pour observer tout ça. Oh, il y a un poulet. Est-ce que ça serait pas un indice? Est-ce que ça serait pas... Attends, avant même que je lance, est-ce que ça serait pas If I Had a Chicken de Kevin MacLeod? Oh là là, ça, si c'est ça, je suis vraiment le boss. Ok, du coup, là, on a un bouton pour la musique et un bouton pour la réponse. Alors du coup, écoutons. 3, 2, 1, c'est parti. C'est ça. Oh, je suis le boss. Oh, je suis le boss. Je suis le boss. Je suis le boss. Je vais juste baisser un petit peu... La musique, je veux pas que ça soit trop fort pour vous. Oh là là, je suis le boss, je suis le boss. Ah, je suis vraiment trop le boss, je suis refait. J'ai réussi à trouver la musique tout seul avant même de la lancer. Oh, je suis le boss. Est-ce que vous aussi, les amis, vous auriez trouvé If I Had a Chicken de Kevin MacLeod avant même que la musique se termine? Dites-le moi dans les commentaires, parce que là, on est clairement sur du gros génie. Même pas besoin de le lancer, du coup, je suppose que si j'appuie sur réponse... If I Had a Chicken de Kevin MacLeod, bien évidemment. Oh, ça fait plaisir. Alors, deuxième musique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une potion? Qu'est-ce que c'est que ce pixel art? J'hésite entre un volcan ou une potion? Qu'est-ce que c'est? Là, il y a une porte, là? Qu'est-ce que c'est? Parce que si je regarde de loin... Ah non, ça me dit rien. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, bah écoutez, les amis, on va tester tout de suite, on va lancer la musique. Est-ce que vous allez réussir à deviner avant moi? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Billie Eilish! I'm the bad guy! The bad guy de Billie Eilish! Trop stylé, par contre, je vois pas le rapport avec Billie Eilish, là, ce pixel art, mais... J'adore cette musique. Mais en tout cas, c'est trop stylé. Et puis c'est cool. Il a un peu décoré la map quand même. Il sait pas. Et voilà, il a pas non plus juste mis les notes blocs et tout. Ah, c'est super stylé. Super stylé. Oh, ça rend trop bien notre bloc. Ah, c'est vraiment super stylé. C'est hyper bien fait. Vraiment, 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 vraiment cool. C'est vachement stylé, je trouve, en notebook, hein. Ça rend vachement bien. Franchement, c'est cool. Donc, Billie Eilish, bad guy, bien évidemment. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a ici une mitraillette. Est-ce que ça serait pas éventuellement les Valkyries? Ou alors la musique de Top Gun? Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite, du coup. Musique 3, 2, 1, maestro. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Bella Ciao! C'est Bella Ciao du truc là, comment ça s'appelle? Casa de Papel! Casa de Papel, si vous l'avez trouvé avant moi, GG! GG, parce que j'ai mis un petit peu de temps à les trouver. Bien évidemment, c'est Bella Ciao, on va pouvoir l'écouter jusqu'à la fin. Oh, c'est vraiment stylé, vraiment, vraiment stylé. Vraiment. C'est vraiment stylé. Bravo! Bravo, bravo! C'est magnifique, c'est de toute beauté! C'est de toute beauté! Et en plus, j'ai réussi à le trouver. Pour l'instant, c'est un sans faute! Pour l'instant, c'est un sans faute, avec même un point négatif pour avoir trouvé la musique avant même de la lancer. Pour l'instant, c'est un sans faute, c'est magnifique. Bella Ciao, la Casa des Papels, bien évidemment. Ah! Est-ce que ça serait pas Yellow Submarine des Beatles? Là, on dirait un espèce de un sous-marin qui dépasse, tu vois. Une espèce de petite maison qui... Ou alors c'est Saint-Tropez. Non, moi, j'irais bien Yellow Submarine des Beatles. On va voir ça tout de suite. Attention, 3, 2, 1. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit rien. Oh! C'est Fort Boyard! C'est Fort Boyard! C'est la musique de Fort Boyard! Mais oui, c'est la musique de Fort Boyard. Excellent. Complètement Fort Boyard, bien sûr. Oh, trop stylé. Trop
trop stylé. Trop... Comment il a fait pour mettre de l'orgue? Quoi? C'est quoi ces notes? Mais comment il a fait pour faire ces notes-là? Waouh! Mais comment il a fait pour faire ces notes? Ah, mais c'est trop stylé! Sachant que j'ai pas de texture pack, j'ai rien, hein! Ah ouais, non, c'est lourd! Ah ouais! Non, hyper stylé! Fort Boyard, j'ai réussi à le trouver! Eh, pour l'instant, je fais un sans faute! Pour l'instant, je fais un sans faute, ça fait plaisir. Je me demande combien de maps il reste parce que ça commence, dis donc, à faire pas mal, là, dis donc. Fort Boyard, France TV, bien évidemment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là? Un petit bonhomme rouge. C'est encore Casa des Papels. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. En plus, c'est une musique courte. Attention. Oh! C'est le Wii! C'est le thème de Wii, de la Wii, bien sûr. C'est le thème du menu d'accueil de Wii. Ouais, c'est la musique du menu d'accueil de la Wii. Oh là là, que de souvenirs avec cette musique. Ouais, non, trop stylé, c'est la musique de la Wii. Ah, oh, ça fait trop plaisir, c'est des musiques qui me font, voilà, plein de souvenirs. Et puis c'est cool parce que j'avais déjà fait une map à l'époque où il y avait des notes blocs, des musiques en notes blocs, et c'était que des musiques d'animé que je ne connaissais pas, donc j'ai beaucoup galéré. Là je connais tout, donc ça fait plaisir. Je me demande s'il y en a parmi vous qui ont réussi à trouver quand même avant moi. Alors, Nintendo Mi Channel, effectivement. Ah, alors là, il n'y a même pas d'indice, donc là, pour deviner, ça va être chaud. Mais on est sur un thème vert, bon, je sais pas si c'est lié, mais bon, on va voir ça tout de suite, attention, 3, 2, 1. Oh, je suis trop bête. Lisez pas en bas. D'ailleurs, de toute façon, dans tous les cas, je connais pas cette musique, donc, voyons voir la musique. Ouais. Ah oui, effectivement, là, L'air me dit quelque chose, mais j'ai pas... Ok, je vois tout à fait. C'est beaucoup plus lent, mais effectivement, je vois la musique. Ok, je savais pas que c'était Axwell Ingrosso. More than you know. Ok, d'accord. Ok, je vois la musique, mais effectivement, j'avais pas du tout le nom en tête. C'est une musique de DJ et tout, tout à fait. Ouais, je suis sûr. And more than you know. Ouais, c'est le genre de truc, dans toutes les télé-réalités, il y a cette musique tout le temps. Ouais, ok, je vois tout à fait, c'est utilisé tout le temps à la télé, tout à fait. Par contre, pour le coup, j'avais pas du tout... Oh, ça s'active qu'une seule fois. J'avais pas du tout le nom. Bon bah du coup, je les ai mis, j'ai l'impression qu'on va être dans le dernier niveau. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Oh là là, j'ai hâte de découvrir ça. Du coup, on va tester, je pense que ça va être du coup la dernière musique. Il y a un indice, ok, côté un peu militaire. Voyons voir, musique. Ça ne me dit rien. What? Ça me dit rien du tout. Vous avez trouvé? Oh. Mais je trouve pas du tout. And now I think... Dance for me. Eh. On dirait un peu ça. Mais c'est ça. C'est Dance for Me. Oh, j'ai réussi à le trouver. C'était compliqué là. Dance for me. Alors, je sais pas qui c'est. Mais ouh, c'était compliqué à deviner. Hein. C'était compliqué à deviner parce que clairement, on est un peu loin de la musique originale. Mais j'ai réussi à trouver, donc c'est cool. C'est un...
presque 100% perfect, parce que là du coup je n'ai pas aussi le nom, mais j'ai réussi à trouver la musique, à retrouver la musique aussi là-bas. Donc c'était un quasi perfect parce que j'avais pas le nom, mais franchement c'est pas mal. On va dire que ça s'annule avec le fait d'avoir trouvé If I Had a Chicken dès le début. Et voilà, c'était Dance Monkey Tones and I. Merci d'avoir joué. Et bah merci à toi pour cette map. Qu'est-ce que c'est que c'est? What? What? Ah mais c'est moi! Mais wesh! C'est ma photo de profil. What? Transition cochon. Du coup voilà les amis, c'est tout pour cette map. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu si tu veux que je t'envoie la map dans les commentaires pour que tu puisses y jouer toi aussi. C'est aux 5000 pouces bleus. Donc voilà, j'espère vraiment que cette map t'a plu. N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Oh mon dieu, ça lag. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, la vie est belle. Oh mon dieu, high five.